Coucou mes chéris, allô, c'est Barbichette, il fait la parole. On se retrouve pour les résultats du concours de merde numéro 5. Délibération difficile parce que je ne suis pas seul à décider. Dans ma tête, il y a aussi Elmo et Crocodou, donc on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. Alors, juste pour commencer, il y a un prix spécial. Il y avait le gros lot, tout ça là. J'ai rajouté aussi des DVD exceptionnels, Ghost of Mars, Kevin Costner, Danse avec Mia Fry, bon, je vous avais déjà montré, et ainsi de suite. Et donc, premier prix spécial du jury, il sera accordé à Arnold Lane, parce qu'il m'a... Lui, il voulait jouer que pour le CD de Lio. Je me suis dit, quelqu'un qui est passionné par Lio, autant, et vu que c'est offert par Friskies, autant faire plaisir. Donc, lui, il va gagner à la fête des animaux, chanté par Lio. Et comme je suis plutôt égalitariste, je lui offre aussi en cadeau le CD d'un homme, Anthony Dupré, pour ne pas le citer. Donc ça, c'était le prix spécial du jury. Voilà. Maintenant, on va passer dans le sens inverse. Bref, quoi, on y va dessus. Alors, en sixième position, nous avons Mtsu, M-T-S-U. J'ai mis en dernière position parce que, bon, je n'ai pas trop compris. Je voyais pas comment j'allais dire aux gens qui allaient gagner, quoi. Bon, il est dernier. Ensuite, en cinquième position, nous avons The Snakes 9. Donc là, c'était un espèce de speedrun, parce qu'il fallait terminer un niveau rapidement. Donc, moi, je suis pas trop fan des speedruns, et puis... Mais c'était pas un mauvais concours, hein. C'est juste qu'il fallait trouver... Je vous dis, je suis pas seul dans ma tête, il y a aussi Crocodou et Elmo, donc on s'est mis d'accord, ça a été difficile. Pareil, en cinquième position, j'ai mis Adrien Azone. Alors, Crocodou, il a trouvé que c'était un peu pompeux, parce qu'on a tout lu, et c'est en tout dernier qu'on nous dit quel est le... Comment on appelle ça ? L'intitulé du concours. Crocodou s'est dit tout ça pour ça, et au final c'était juste un concours où il fallait faire un petit poème. En changeant. Donc voilà, j'ai mis en cinquième, et peut-être que j'étais mal luné, j'aurais peut-être dû me mettre premier, je sais pas trop. Hein. C'est un concours de merde, donc pour trouver la logique. Ensuite, en quatrième position, j'ai mis Jérôme. Parce que là, c'était un peu scato, donc bon. Elmo, il a dit que c'était cool, mais moi et Crocodou, on a été un peu choqués, KO debout. Donc là, c'était, ils devraient envoyer leur caca par la poste, et le plus beau caca remporte le concours. Là, techniquement, recevoir des cacas chez soi, c'est pas très... je préférais qu'on envoie du caca aux gens comme Benzaï, Usu, le Real Myope et tous ces bips. Voilà. Ensuite, Jean-Fabien. Alors lui, je l'ai mis aussi en quatrième position. C'est Jean-Fabien de Un dîner presque parfait. Et là aussi, l'autre fois, il était dans C'est mon choix. Faut dire des bêtises un peu. Bon, parfois. Mais lui, il jouait que pour le fun. Donc voilà, je l'ai mis quatrième. De toute façon, j'aurais mis premier. Il voulait pas le cadeau. Donc lui, c'était de faire une vidéo hommage. Alors ça fait un peu suceur, machin. Donc moi, ça m'aurait gêné qu'on fasse une vidéo en mon honneur. Quoi. Ça aurait été un peu trop fort de café. Fox Hunt 368-773. Son concours, c'était en fait... Mais il était pas trop mal, ce concours. C'était en fait, c'est celui qui tient le plus longtemps en écoutant du Maître Gims. Voilà. Donc il fallait se filmer. Et le mec, il arrive pas à tenir. Qui c'est qu'il pourrait y avoir de pire? Il y a Vanessa Paradis, pour moi, elle est pire que Maître Gims, il y en a plein comme ça. Il n'y a aucun rapport, il y a la DJ Miss Kittin, elle c'est une... Par exemple, donc voilà, Maître Gims. Ensuite, vidéo, arrivée en troisième position. Donc là, c'était en fait, c'était un peu des mathématiques. Sachant qu'un Game & Watch coûte 200€, et qu'on peut à peu près, comment on appelle ça? On va dire que ça pèse 80 grammes. Alors, combien va-t-on pouvoir revendre ce nouveau contenu? Voilà, il fallait trouver déjà quel était le poids exact du colis, et ensuite calculer, sachant que 80 grammes c'est 200€, hein, vous avez compris, donc on aurait fait une truc à trois, truc par croix à croix là, je sais même plus parler, machin par croix par trois là, truc par trois, si machin égale temps, machin égale x, donc on fait x égale machin, temps de x divisé par machin fois machin, bon, vous avez compris, la règle de 3 ou je sais pas quoi, donc voilà, j'ai mis en troisième position, je sais pas pourquoi, j'aurais pu le mettre en deuxième position, hein. Ça fait vraiment le mec qui assume pas son résultat. Après psychomatique là c'était aussi bien, c'était de faire un mash-up en mettant du rock années 70-60 et un truc de jeu vidéo. Et donc il aurait fallu que ça marche. Voilà. Donc, mais c'était bien concours mais c'était trop technique. Donc du coup c'était pas. Vu que moi je suis vraiment quelqu'un d'assez fédérateur et très très grand public et tout, que je fais tout pour le grand public pour chercher le buzz, je me suis dit non, ça va à l'encontre de ma ligne éditoriale qui cherche à faire le buzz et à plaire à tout le monde et à être faux cul et pocket pour et être nihiliste pour engranger des likes. Donc je me suis dit non, ça sera trop pointu, c'était une super idée. Si j'avais été seul à voter, j'aurais peut-être mis lui premier. Mais je vous dis, il y a Crocodou et Elmo, et ils m'ont dit, bah fais gaffe si tu veux faire le buzz et tout, c'est trop pointu, c'est trop élitiste. Mais c'était une super idée. No Man Robin, lui, c'était prendre un taulier ou un vendu de YouTube, donc j'ai déjà donné les noms des vendus, et essayer de trouver une ressemblance dans un jeu vidéo. Voilà. Et comme j'avais déjà fait 2-3 concours comme ça, je me suis dit, bon, on va pas refaire parce qu'il fallait que ça change un peu. Mais voilà, ça aurait été sympa. En même temps, ouais, ça aurait fait de la pub. On aurait pris un gigolo, parce que si on dit pute, on va dire je suis misogyne ou je sais pas quoi. On va prendre un gigolo, genre poisson fécal. Voilà, j'avais pas envie de faire sa pub. Le mec aurait pu trouver le sosie de poisson fécal.
Ensuite, Freeman Pixels, lui, c'était aussi technique. Du coup, c'était une bonne idée, mais je me suis dit, voilà, pareil que pour le précédent. Donc là, c'était, il fallait développer une ROM sur NES en assembleur 6502 en faisant un logo d'une de mes émissions. Voilà, donc, mais ça aurait été quand même déjà, même moi, je vois pas comment trouver un développeur, un assembleur et arriver à pianoter, comme dirait François Morel, pianoter sur Internet ou sur Continent. Et je me suis dit, voilà, ça sera trop compliqué si je voulais vraiment le faire. En même temps, c'était... Ensuite, Asmoka, troisième position, il fallait répertorier tous les revendeurs de vidéos de Fils à Papa Prolo et Nanti. Eh ben là non, parce que Prolo, au contraire, les Prolos, je suis plutôt du côté des Prolos. Donc ouais, du coup, j'aurais pas dû mettre troisième. Parce que être Prolo, mélanger les Prolos et les Nantis, c'est, pour moi, c'est contradictoire. Un Prolo est tout sauf Nanti. Je crois à la lutte des classes, donc du coup, pour moi, un Nanti, c'est pas un Prolo. Un Prolo peut pas être Nanti, ou alors c'est que, je sais pas moi, il est schizo. C'est-à-dire que d'un côté, il a beaucoup d'argent, il peut rien faire, et en même temps, il bosse dur et il a du mal à jongler debout. Il a une partie du cerveau qui oublie qu'il aurait de l'argent planqué, quoi. Ma foi. Donc là, c'était, voilà. Et aussi, il y avait un côté un peu, comment dis-je ? Oh putain. Délateur, voilà. Donc du coup, hop. Ensuite, Hugo Totti. Lui, c'était une bonne idée aussi. Je l'ai mis en deuxième position. Il fallait faire le meilleur poème en cut-up d'une notice de jeu vidéo. Ça aussi. Donc en fait, c'était... Je rappelle ça. Cut-up à la Williamsboro, si on veut. Ou John Cage, je sais plus qui. Ou Fluxus, si on veut. J'aurais pris une, vous prenez une notice de jeu vidéo, vous coupez tous les mots qui vous plaisent pas, et au final, ça vous fait une phrase qui veut rien dire ou qui veut dire quelque chose, mais qu'avec les mots à l'intérieur. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une très bonne idée. J'aurais peut-être dû le mettre premier. Ensuite, Bri Bri HG. Je dis oui, parce que je suis pas seul. Il y a Elmo et Crocodou, ils ont rien compris. Pour leur expliquer ce que c'est qu'un cut-up, réveille-toi. Ensuite, Bri Bri HG. Alors, lui, il fallait faire une illustration de jaquette de jeu vidéo qui collerait avec mon univers, genre Elmo contre Norman là. Ouais. Crocodou Racing ou Pôle emploi Simulator. Voilà. DLC El Khomri Included. Donc, ça, ouais, respect pour le DLC El Khomri. Ça fonctionne très très bien, donc ouais, ça aurait été une très bonne idée ça. Ensuite Momo, Batosai plutôt, lui c'était, mais il m'a dit que c'était pas son idée. Donc au moins il est honnête, donc je l'ai mis en deuxième position. Et puis il avait déjà gagné une fois un concours, alors après ça va faire, on va me dire, c'est le syndrome... le syndrome Hudge, pour pas avoir de soucis, ou le syndrome Hudge. Hodge. Et voilà, j'aurais fait gagner les copains. Donc comme j'avais pas envie, je préfère rester vraiment... au-dessus du panier, je suis le meilleur d'entre nous, donc voilà, je voulais pas faire gagner un coup. Alors lui, son idée, c'était de trouver le poids exact du colis. Alors ce qu'il avait pas dit, c'est ce qu'a vraiment noté Crocodou, c'est que c'était le poids net ou le poids brut. Et ça, vraiment, c'était très important. Et comme il a pas notifié, c'est ce qui lui a fait perdre le cadeau. Ensuite, Barbe de Capucin, pareil, très bonne idée, mais je me suis dit après, il avait déjà gagné un concours aussi. Voilà, bref. Donc là, c'était, en fait, il fallait faire gagner... il fallait faire la plus jolie sculpture d'Elmo à base de pommes de terre. Ou, c'est-à-dire en purée, quoi. Quand vous faites une purée maison, bien sûr, parce que les purées, je pense qu'il sera d'accord avec moi, Barbe de Capucin, mais si ça avait été la purée industrielle, ça aurait été pas homologué. C'était pas possible. Il fallait faire une vraie purée de pommes de terre, avec, comme le dit Joël Robuchon, beaucoup de beurre. Du beurre, allez, du beurre. Je lui dois tout à cette purée. Donc voilà, et le problème, c'est que sur sa photo, il n'y a pas Elmo. Il a fait, je vous le mettrai après là, mais la photo n'était pas. Ne correspondait pas trop. Donc voilà. Et en première position, nous avons Géor Géo. Voilà, donc c'était vraiment, je préfère répéter une énième fois, il a fallu, on a trouvé le dénominateur commun entre les trois membres du jury. Donc c'est pour ça, peut-être, certains m'ont dit, mais putain, mais l'autre c'était mieux, oui, mais... Ah oui, j'ai aussi, j'avais zappé Draco Aurel, parce qu'en fait, c'est pas vraiment disqualifié, parce que son idée, finalement, elle était bonne, mais c'était la mienne, en fait. Son concours, c'était de faire comme moi, c'était de demander aux abonnés de trouver une idée de concours, donc... Je savais pas comment. Je me suis dit, tant c'est l'idée du siècle, et en même temps, je l'avais déjà dit, donc il y avait une redite. Donc voilà, je savais pas où placer dans les résultats. Désolé. Alors là, le but, c'était de faire le meilleur cosplay de Barbie Chétif. Je vais pas parler à la troisième personne, ça fait vraiment... je vais rentrer à NESBLOC si ça continue. Outre le fait que le cosplay ne présente aucun intérêt, ce concours mettrait en exergue l'absurdité de la pratique. Voilà, ça, c'est des genres de phrases que j'aime bien faire, mettre en exergue l'absurdité de la pratique. C'est assez pointu, mais voilà, il en fait pas des masses. Après, il parle normalement, voilà. Alors que ce que je reproche à d'autres gens, c'est de... je dis pas les gens du concours, là, mais... à des gens qui sont tout le temps pompeux dans toutes leurs phrases. Oui, il peut faire, s'il veut une belle phrase, ce concours mettrait en exergue l'absurdité de la pratique. Mais après, il parle normalement. Donc voilà, je préfère. Car n'importe qui avec une peluche d'Elmo et ou un masque pourrait participer. Ainsi, tous les participants feraient la même chose et il serait impossible de les départager. Et voilà. Et c'est pour cette petite explication, c'est pas on fait un concours, mais pour montrer que ça rime à rien, quoi. Que c'est de la grosse merde. Donc voilà, Géor Géo, il a compris le principe du concours de merde. Et donc il a gagné. Donc je. Voilà, quoi. Donc j'enverrai le cadeau. En colissimo normal, hein, j'ai pas. Parce que ça va me coûter cher, ça va me faire dans les 20 euros l'envoi, quoi. Vous voyez, le bins, tout ça pour ça, j'ai pas fait d'appel au don ou je sais pas quoi. Je suis au chômage, là. Donc je dois faire mon dossier et tout, bref, on s'en fout. Donc voilà, bravo Géorgéo, merci à tous les participants. Et à ciao Pipito, et à plus mes puces. Ou pas.